Mais quel bonheur, bonsoir, la montagne. Regardez-moi ça. Nous sommes en fin de journée et il y a un goût de paradis où nous sommes. Eh bien, vous ne devinez pas où nous sommes. Nous sommes dans la montagne, c'est sûr. Nous sommes en Haute-Savoie et nous sommes sur la commune de La Clusaz. Et juste en face, dans le creux ici, on aperçoit le Mont Blanc. Et c'est depuis le hameau des Prises où habitent entre autres Simon ici et puis Michel. Hein, dites donc, là, il y a un point de vue extraordinaire. Ah oui, c'est beau, hein, quand il fait beau, vraiment, on voit, c'est vraiment entre deux vallées. Et quand le Mont Blanc a son chapeau, ça veut dire qu'il va y avoir changement de temps. Alors c'est un coin assez unique et on dit bien, bon, le Mont Blanc ici, on a fait un petit zoom dessus, c'est pas toujours évident. Le Mont Blanc est ici, et donc quand il y a un chapeau, alors là il y a un nuage. Est-ce que ça veut dire, dites donc Michel, que là demain c'est... Non, c'est le beau temps demain. Oui, le nuage, pour le moment, il n'est pas dessus le Mont Blanc. Il est un peu devant. Je pense qu'il ne va pas nous emmener de la pluie. Hein. D'ailleurs, il faut dire que la météo, hein, messieurs qui sont à mes côtés, qui habitent ici, on dit bien des alpagistes ici. Le beau temps est prévu pour la semaine. Là, on va montrer un peu le paysage parce que vous êtes alpagistes tous les deux et ça veut dire que tout l'été, vous passez tout l'été ici. Tout l'été. On est monté cette année le 9 mai et on va redescendre, si tout va bien, le 10 octobre environ. Des petits coups de bonheur ici parce que on voit les fleurs là. Elles ont été plantées pour les touristes ou pour vous? Elle revient d'année en année, toi. Elle revient toujours. Elles sont belles ces fleurs, on ne sait pas ce que c'est. C'est des roses trémières. On ne sait pas trop. Alors là-bas, si on regarde là-bas, dites donc, Michel et Simon, qui sont les deux frères qui nous reçoivent ici, là-haut, il y a un sommet. Ben là-haut, il faut y monter là-haut. Oui, mais c'est beau, hein. C'est beau. C'est beau. Et vous y êtes déjà monté? Oh oui, oh là là. Avant, on avait des chèvres, elles montaient jusqu'au sommet là-haut. Mais par où on passe quand on voit la pompe, les vaches d'ailleurs devant. Mais comment on fait pour monter là-haut? Ça paraît difficile. Ah oui, mais maintenant ils ont fait des routes hein, pour aménager les remontées, les pylônes, pour les construire. Et puis là-haut, il y a un belvédère. C'est vraiment beau, hein. Faut monter là-haut. On vous invite, amis. Ils sont nombreux à nous regarder. J'adore les roses trémières, nous dit-on. J'adore La Clusaz. Eh bien, écoutez, vous avez, nous sommes à La Clusaz et ce sont des pistes de ski qui sont juste en face. Oui, ben c'est la Combe des Juments. Ici, en face de nous, il y a les télésièges qui partent de la route des Aravis, qui les emmènent jusqu'au sommet du Cré du Loup. Regardez-moi ça, plein de gens nous disent on adore les roses trémières. Ils peuvent rejoindre la Combe de Balme. Messieurs, ça veut dire, moi, les petits-enfants ici, on les filmait de loin. Messieurs, ça veut dire que finalement, on peut tout simplement ici faire du ski tranquillement l'hiver. Il y a de la place. Oui, ah ben, il y a de la place, oui. Vous avez fait du ski, vous aussi? Oui, mais avant, je travaillais dans les remontées. Ah, dites donc. Oui. Eh bien, écoutez, parce qu'on dit bien, vous êtes dans On l'alpage. était agriculteur, puis en même temps, perchman. Non, mais ça veut dire que vous avez deux métiers quasiment en même temps? Oui. Et Simon Le aussi? matin, le matin. Ah oui, bah, j'ai bien été Le matin, il fallait se lever, puis le soir, il fallait rentrer. Attendez, mais alors, mettez-vous juste devant, qu'on vous voit bien ici avec les fleurs, ça ne vous dérange pas. Parce qu'on veut montrer le travail qui a été fait. Parce que les montagnes, les stations, ça ne se fait pas en un jour. Ben non, pas du tout. Oui. Les communes, ils y ont mis de l'argent, ils y ont mis du temps pour tout, comment dire, aménager tous ces massifs qui étaient quand même rudes. Hein. Est-ce qu'on peut montrer le chalet? On peut faire un plan sur le chalet d'alpage que vous avez ici, c'est possible, Simon et Michel, c'est possible. Hein. On fait un petit plan sur la maison, c'est possible. Avec votre accord. Ça regarde dessous, c'est possible. Tiens, on vous suit, tiens, allez-y. Alors ça passe plus à la 8 Mont Blanc d'une part, puis d'autre part, on est sur un réseau Facebook, mais on vous remercie de nous avoir répondu ici. Mais on va quand même vous suivre parce que moi j'adore cette montagne vivante, celle qui fait du bon reblochon. Regardez-moi ça comme c'est beau ici. Et le bassin, l'eau coule tout le temps, l'eau coule ici tout le Ah, temps. Tout le temps. Elle a baissé parce qu'il fait chaud, quoi, et un peu sec, mais toute l'année, tout l'été, elle coule.
Parce que la c'est ça, la montagne. Et puis elle doit être fraîche, l'eau. Hein. Ah oui, oui, oui. Et on voit deux verres ici, c'est pour boire que de l'eau, c'est ça. Hein. On est bien d'accord. Oui, mais il y a ben, des fois qu'on met une petite dose de Ricard quand même. Hein. Écoutez. Parce que de l'eau, hein. Oui. Il a raison. Vous voyez la figure qu'on a, typique. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut la montrer deux secondes au Facebook, c'est possible ou pas, vous me dites. Hein. De quoi? Votre visage, parce que les gens, ils savent pas. Regardez, alors dites donc, alors justement, Simon Agnolet et Michel Agnolet, ici, on va vous montrer les cloches. Les cloches, c'est tout un symbole dans la montagne. Ah oui, ouais, ça c'est précieux, ça. Hein. Ça c'est. Elles sont à qui ces cloches? C'est à vous, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Ben, c'est des sonnettes qu'on a gagnées dans les concours à la. Au concours de la foire de la Croix. Hein. La foire de la Croix, la foire de la Clusaz. Et on est fiers de ces cloches. Comment? On est fiers de ces cloches. Ah oui. Regardez-moi comment elles sont belles. Alors, et... La maison, elle abrite les vaches, les gens et les fromages. Ça, c'est pas beau. Les vaches, les gens et les fromages. Ça, c'est extraordinaire. Ah, oui. Ça veut dire que tout on est abrité. On est tous sous le même toit. Donc vous dormez pas loin des vaches. Oui, bah oui, mais on est séparés quand même. Hein. Pas... Mais ouais. Autrefois, vous dites ça, mais autrefois, c'était pas ça. Ouais. On était quasiment ensemble. Hein. Mmh. Ouais, oui, je sais. Oui. Et puis, on va remontrer, tiens, on va montrer ici la foire de la Croix. C'est une grande foire qui aura lieu cette année, j'espère. Non, 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 justement, elle est supprimée. Alors, là, écoutez, c'est pas de peau, c'est annulé. Et puis, la fête du Reblochon. La fête du Reblochon, chaque année, la Clusaz, ça aura pas lieu. Ouais. C'est bien triste. C'est quand même une drôle d'histoire, ça. Ah oui, ouais, c'est dommage, ça va manquer, hein, parce que. C'est sûr. Ça mettait de l'ambiance dans le village. Hein. Ça, la foire, la fête du Reblochon, on remonte le paysage en direct. Il est à peu près quelle heure à cette heure-ci, là? On n'a pas vu à l'heure sur place. 19h. C'est 19h, regardez-moi ça. Et les vaches sont où, les vaches? Elles sont plus haut, là. Oui, c'est dommage. Hein. On va expliquer combien de vaches en tout. Ben ici, il y en a 32, puis on en a 8 qui sont en face qui portent des veaux, vous savez, qui sont enceintes. Qui sont enceintes, on va dire, des vaches qui vont faire des veaux. Oui. Qui n'ont pas de lait en ce moment. Voilà. Alors on vous suit parce que vous connaissez bien l'endroit, Simon. Vous avez 80 ans bientôt. C'est déjà fait. Ah, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. On va voir en bas. Qu'est-ce qu'on voit en bas de particulier ici? Le chalet, j'imagine. Alors, les belles roses trémières devant. Vous faites parler ma femme. Alors votre épouse, elle est où? Dessous. On va y voir votre épouse. Alors on explique bien ceux qui nous regardent. Michel ne veut pas, il répond et on respecte sa volonté. Mais votre épouse sera d'accord? Oh, je pense, oui. Il est en bas, là. Oui. On y va? Oui. Allez, on vous suit. Regardez-moi ça. Nous sommes en fin de journée, 19h10, en direct de la Clusaz, avec un magnifique panorama. Ce soir, il fait grand beau. On dit bien, cette semaine, il va faire chaud. Il va faire beau. Et en particulier, on le dit bien, ça va être un bon moment pour les gens qui viennent à la montagne. Il va faire plus frais qu'ailleurs. Et on va donc juste découvrir l'endroit où on transforme. C'est ça, on transforme les fromages ici. Oui, bien sûr, oui. Alors, on va peut-être pas la déranger. Elle travaille à ce heure-ci. Voilà, on va voir s'il y a quelqu'un qui peut nous répondre. On dit bien, en direct ici, chez la famille Agnolet, dans la montagne. On dit bien, nous sommes au Pris, à la Clusaz, c'est en dessous de Borgard. Et il y a le moment qui, au moment où il fait des chèvres. Au moment où il fait pas des chèvres, on fait des fromages. Évidemment, c'est pas des chèvres, c'est bien sûr de la vache ici, on dit bien. Un magnifique endroit. On va voir si on peut, éventuellement récupérer, l'épouse de Michel. Hein, vous voyez. Et puis surtout d'ici, on vous l'a dit tout à l'heure, on va faire un plan dessus, on voit le Mont Blanc. Il est caché là-bas, le Mont Blanc. On va zoomer un peu dessus. Là, vous avez une image exclusive avec la canicule qui revient, le Mont Blanc qui est bien blanc et les alpages qui sont bien verts. C'est ça les images de la montagne. C'est des belles cartes postales. On baisse la voix tellement c'est beau. Votre épouse est par là, Michel? Viens. Dites donc, madame, bonsoir, on vous salue. Et surtout, on vous félicite parce qu'il y a du boulot ce soir. Hein. On filme la montagne pour l'instant, regardez comme c'est beau. Hein. C'est pas, très en plein travail. Oui, ben, ils vont faire les fromages. Ben, voilà. Alors, il faut dire que le Reblochon, c'est ça qui fait gagner la vie des gens ici. Oh ben oui, c'est vraiment l'agriculture quoi, qui est en général quoi. Et puis l'hiver comme l'été, il y a du monde ici. Hein. Oui, ben c'est on vit les estivants nous feront vivre quand même. Hein. Un petit mot, madame, son prénom. Annie. Aline, un petit mot là. Annie. Là on fabrique le fromage à l'instant, c'est ça Aline? Hein. Oui, maintenant on va le faire. Et c'est votre passion le fromage? Bah, il faut le faire, quoi. Vous avez toujours fait ça? Oui, toute ma vie. Et tous les jours de la semaine? Tous les jours de la semaine. Depuis quel âge vous faites ça, vous? Bon, 23 ans. Et ça vous plaît? Alors, on m'a expliqué qu'on vend le fromage ici, aux prises. On peut l'acheter pour les vacanciers qui nous regardent. On peut venir ici. Ah bon? C'est marqué sur la... Il y a une pancarte, j'ai vu, non? Oui. Regardez-moi ça. Il est là-bas en train de... Alors, on rentre pas dedans pour des raisons sanitaires. On va juste montrer qu'il est en train de sécher là-bas. Et on va saluer le fromager qui est à mes côtés. Bonjour, dites donc, alors, on n'a pas beaucoup de liaisons là où nous sommes parce que c'est un petit peu bâtiment. Dans la famille, vous êtes qui, alors? Moi, je suis
c'est le fils. Eh bien, on va vous saluer pour le travail que vous faites tous les jours. Des bons produits, des bons fromages. Il y en a vu les vaches un peu plus haut, elles sont magnifiques, avec des belles cloches aussi, c'est ça? Oui. Je vais m'approcher un petit peu, j'espère qu'elle va maintenir. Et va nous dire en direct, j'espère qu'il y a une bonne liaison, dites-nous si ça passe. On est en direct. Vous faites quoi à l'instant? Ben là, c'est le décaillage. Donc, c'est le décaillage du reblochon. On sépare le grain et le sérum. Et puis après, on va procéder à l'emboulage. Voilà. On dit bien, c'est une étape de la fabrication du fromage. La traite était faite à quelle heure? On a commencé à traire à 5 heures. À 6 heures, on avait fini. Après, j'ai mis la présure. Et maintenant, je vais mettre en moule. Ici. Alors, on explique bien. Donc, d'abord, décaillage. Après, c'est dans les moules ensuite. On sortir ici avec, regardez-moi ça, dès qu'on ressort, on voit le paysage. Et dites donc, mais il est où le bon Dieu au paradis, là? Ben, il est là-bas. Il est là-bas, il est quelque part, en tout cas. Oui, il est partout. Ça a coupé, mais c'est revenu, parce qu'il y a une liaison difficile. Il est partout. Il est partout. Mais il est quelque part en vous et en nous, et c'est ce qui fait que c'est beau ici. Oui, mais bien sûr que c'est beau. Surtout quand il fait beau. Alors, parce que dites donc, hey, Michel, ça a neigé un peu là-haut, c'est bon, hier, non? Cette nuit, là où j'ai vu que c'était blanc sur les caméras de la Clusaz, de 600 mètres. J'ai vu quelques images ce matin, je vous le dis quand même. Où donc? C'était un point de percée. On ne veut pas la neige à cette époque. Alors, j'en ai vu un petit peu ce matin sur les caméras, je ne sais pas si vous avez vu ça. En tout cas, le matin, il fait frais. Oui, il fait frais. Alors, on rappelle bien. Bah, ça dépend de la période. Hein. Oui, il ne fait pas toujours très froid. Bien sûr, il peut faire chaud. La canicule. Oui, il fait plus frais. Alors, il y a Daniel Virama qui vous dit un petit message. Michel et Simon, c'est magnifique chez vous. Alors, on vous le dit, hein, puisque réseau compliqué, bah, je sais, mais on est revenu, hein, parce qu'on est sorti. Quand on rentre dans les caves, on n'entend plus rien. En direct, dans la place du village, le direct est flou. Ah ben, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est que... Il y a un loup, comme disait Madame Martine Aubry à l'époque. Il n'y a pas de loup aussi, non. Ça nous rassure d'une part. On n'en veut pas, hein. Et puis surtout, voilà. Eh bien, écoutez, on va vous remercier infiniment. Famille Agnolet, elle est prise ici à la Clusaz, le beau temps ce soir, la belle semaine qui s'annonce. Et bravo encore à toute l'équipe, à toute la famille, parce qu'il y a eu derrière ça beaucoup de travail. Et il n'y a pas de bons produits sans du travail de qualité. Oui. Il faut du produit de qualité. Et moi, c'est beau nuage. Tiens, regarde bien, Michel. Non, tu vois, Michel, le nuage dans la caméra, ici. Ah, oui. Rien de vous, un bon reblochon fermier, ainsi qu'une bonne tomme bien fleurie. Ah oui, c'est bien ça. Superbe coin. Ceux-là. Et ceux-là, ils y vont, hein. Et je pense que ceux-là, ils vont prendre l'affaire plus tard. Ah oui, c'est la relève. C'est comme ça. Un grand merci, parce que la fraîcheur, il fait pas très chaud ici, il fait 14 degrés. Ah oui, mais ça va. Les manches courtes. Oui, mais on est habitué, nous. Hein. Le pays du reblochon nous dit bien, elle est belle la montagne, trop chouette, ce coin, ça fait rêver, il y a des fleurs, il y a des roses trémières, il y a un beau soleil, il y a la chaleur qui vient. C'est ici qu'il faut venir, en montagne en particulier, ou à la Clusaz en particulier, et aux prises ici, parce que la route après, elle va où la route après? Ben, elle monte à la Croix-Frie, mais vous savez, c'est une route qui n'est pas très... La combe à la jument, en face, peut-être fait du ski là-haut. Magnifique. Et les remontées, et le col des Aravis juste en face. Oui, bien sûr. Oui. On va faire un plan sur le Mont Blanc, tiens, juste maintenant. Tellement c'est beau. Regardez-moi ça, le Mont Blanc. Et vous n'y êtes pas monté au Mont Blanc, là-haut? Non. Et puis après, c'est un peu haut. Hein. On arrive pour faire du reblochon, nous dit Marie-Pierre de Salles. Salut d'un Vosgien en vacances dans les Pyrénées. Eh bien, un Vosgien en vacances dans les Pyrénées. Christian, il faut qu'il s'arrête dans les Alpes. Merci à vous, Michel, dis donc. Arrivez pas. À tout bientôt, oui, d'accord. Arrivé à toi, tiens, c'est du patois, on va dire. Oui. Arrivé à toi. Ça veut dire, en patois, ça veut dire. Ben, au revoir à tous. Ben, ça, c'est gentil comme tout. On va interrompre le direct maintenant, c'est parfait. Hein. Oui, mais il ne faudra pas leur passer. Non, il n'y a pas de souci. Regardez-moi ça. Tiens, hé, on va faire un plan sur les... Elles sont à qui, les vaches? C'est Nicolas Josserand, Nicolas. Eh bien, on va le saluer. Et de Thône, un jeune agriculteur, vous voyez. Hein. On va montrer les vaches, elles sont là. Qui est plein de courage. Voilà, ben, ça veut dire que les jeunes, ici, font du boulot, et c'est un bon travail. Avec son épouse. Hein. Saluer au passage. Et on salue également Frédéric qui nous dit vive le reblochon et le jeune épi. Le jeune épi, ça va avec le reblochon? Oh oui, mais le jeune épi, on le boit après hein, quand même. Faut y mélanger. On le boit pas avec le reblochon, en mangeant le reblochon. Alors le vrai montagnard, il boit sa petite gnôle aussi. Ah, aussi, oui. Ça vous arrive aussi? Oh oui, ben. On ramasse des prunes ici. Alors dites-moi, c'est de la gnôle de prune, elle est bonne la prune. Hein. Ah oui. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oui, mais c'est pas toutes les années, c'est une fois tous les 200 ou 300. Eh oui, donc il faut pas s'arrêter si vous aimez la gnôle de prune. Quand on a des prunes, il faut les ramasser pour faire un stock pour 2 ou 3 ans.
Pas trop boire, pas tout boire tout d'un coup, comme on dit. Et l'agneau, vous l'avez bu à quelle heure, vous? Oh, oh. Le jour de mauvais temps, quand il fait froid. Oui, ben alors quand ça fait froid, c'est un bon carburant, ça réchauffe. Oui, c'est vrai. Oui. Eh bien, on va vous saluer. Merci à ceux qui nous ont regardés ce soir dans la montagne, en fin de journée. Le beau temps revient, c'est la preuve sur l'image. Et hop, il est parti avec son tracteur. Regardez-moi ça. Formidable. Et voilà, il y a des vacanciers qui sont déjà là en train de demander à Durblochon. Oui, c'est Tom Blanche, là. Voilà. Alors, Tom Blanche, il faut nous rappeler, merci, dites-donc. C'est Tom Blanche, oui. Voilà. Bon courage, nous dit-on, à Monsieur Josserand et sa femme, nous dit Stéphane de Blanc. Vous voyez, c'est ça que ça se passe comme ça. Ben écoutez, un petit mot, petit garçon, de dire un petit mot, non? Ça ne te dérange pas? Bonjour. Je vais dire un petit bonjour. Tu dis que bonjour. Tu t'appelles Charlie? Oui, je m'appelle Charlie, j'habite à Saint-Jean, des fois je viens à la Clusaz. Tu habites où à Saint-Jean? À Saint-Jean-de-Six. C'est sa maman, c'est ma fille. Eh bien, écoutez, c'est pas beau, la famille ici, qui est ici entièrement là. C'est Baptiste. C'est Baptiste, on les a vus, il faudra bien dire aux parents, puisqu'on a filmé les grands-parents à côté, il n'y a pas de souci. La montagne est belle, on va vous la souhaiter encore tout l'été comme ça. Il y a plus, ça fait du bien. Ah oui, oui, mais il fallait de la roue. Hein. C'est sec, on s'est inquiété. Hein. Ah vraiment, les prés étaient secs. Hein. On n'a bientôt plus d'herbe. Hein. Et l'herbe est très verte, on nous dit, c'est vrai que ça a reverdi depuis deux jours. Ça. Oui, 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 mais... Les tracteurs, dites donc, ça fait rêver. Et tu rêves d'un gros tracteur, toi, j'imagine. Hein. Bah oui. Bah oui, parce que c'est pareil pour toi. Hein. Il aime bien les vaches, Charlie. Il aime bien les vaches. Oui, Charlie. Il nous aide à traire déjà. Hein. Attendez, il a quel âge, Charlie? 8 ans. Le 4 juillet, j'ai 8 ans. Eh ben, félicitations. Et tu aides à traire déjà à 8 ans? Oui. Ah oui, il s'entend. Il connaît les vaches, hein, attention. Et alors, qu'est-ce qui lui plaît dans ce travail? Ben, traire les vaches, attacher les vaches et tout. Ah, ça, c'est beau. Puis les accompagner au pré. Regardez-moi ça, et il a un petit peu de bouse légèrement sur la veste, mais c'est pas grave. C'est même bon signe. Oui, oui, oui. Oui. Bien, écoutez, on va vous remercier, parce que c'est un bonheur d'être dans la montagne. Oh, c'est gentil pour le verre, parce qu'on vient de sortir de chez Gilberte et on a déjà goûté l'hysope. Ah oui, ben j'en ai de l'hysope. Que vous faites vous-même? Oui. Alors si on la goûte, je ne sais pas, on va demander à nos amis qui nous regardent, est-ce qu'on a le droit de goûter une deuxième fois l'hysope? On a bu tout à l'heure, on l'a bu maintenant. Parce que ça on fait est... trop, non? C'est pas que ça fait trop, c'est-à-dire que ça... si on n'en boit pas trop cher. Ah oui, oui. Avec modération. Avec modération, lui dit-il. Et vous avez raison. C'est votre mot préféré, ça. Avec modération. Mais on n'a jamais vu modération sur les images. Et c'est une belle image. Le papy et Charlie, il y a 8 ans et 80, c'est ça, j'ai bien compris. Et tu t'entends bien avec ton pépé. Oui. Vous faites quoi, vous? Des fois qu'on crie un peu, quoi. Mais c'est vrai, ça arrive, c'est des fois, ça arrive. Oui. Mais il apprend le métier aussi, il connaît le métier. Hein. Ouais. Plus tard, tu veux faire quoi plus tard? Prendre cette ferme. Eh bien, il est dedans et vous êtes content qu'il prenne la ferme. Ils savent ce qu'ils veulent faire déjà, c'est beau. C'est hein. Bien parce que moi je trouve que c'est bien d'avoir des jeunes passionnés et quand on est passionné, on fait des belles choses. Mais c'est sûr, si on aime nos métiers, on arrive. Absolument. Il faut soutenir cette jeunesse, dis donc Michel, parce qu'ils ont besoin d'encouragement les jeunes. Mais c'est sûr, au moins ils n'iront pas courir dans les villes. Porter les pancartes, hein, tout ça. Bien sûr, et puis la montagne, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour vivre longtemps, c'est ça hein. Ouais. L'air est pur ici. Quoi? L'air est pur. Hein. Ouais. Eh bien, un grand merci, belle image. On va voir si on goûte l'hysope ou pas, on va vous remontrer le Mont Blanc, parce que c'est comme ça qu'on va achever ce direct. Le Mont Blanc que observe tous les jours notre ami Michel et son frère Simon et toute la famille Agnolet ici. Regardez comme il est beau, ça sera le dernier mot pour Michel. Tiens, regarde Michel comme c'est beau là. Tu vois Mont Blanc, son image? Ah ben oui. Et si on arrête comme ça, c'est une carte postale, ça. Ça, oui, oui, c'est beau, ça. En modération, Jean-Pierre, on l'a jamais vu, hein. On l'a jamais vu. On a l'impression que le temps s'arrête ici. Non, comme ça. Ça s'arrête pas le temps. On a l'impression qu'on. Et la relève est là, on nous dit. Bonjour de Passy, vive la Clusaz, santé. Eh ben, la vôtre. Arrive pas, un grand merci. Et Annick arrive comme vous voulez. Et ici, on dit bien, c'est juste en montant à la Clusaz, direction la Croix-Frie, montez à droite, la route est bonne. Et vous arrivez ici, vous avez Durblochon, vous avez de la tonne à tombe blanche. Et vous verrez certainement, évidemment, Michel et son frère. Et la famille Agnolet qui sont en train de faire le fromage, on dit bien. Parce que tout ça, pendant qu'on cause, les autres travaillent. Ben oui, il faut qu'il y en ait qui prennent du bon temps et d'autres qui travaillent. Eh ben c'est bien, on a pris le bon temps pour vous, pour nous, magnifique, ce petit garçon nous dit. Eh bien, il va dire au revoir à ses copains. Tiens, dis au revoir à tes amis. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Au revoir. C'est qui tes copains? Dans mon école. Oui. Andy et Hugo. Voilà. Et Oliver. Et
Oliver, il doit se reconnaître, Andy Hugo Oliver, et puis ton frangin, son prénom, c'est comment? Charlie. Baptiste. Charlie, qu'on a vu tout à l'heure. Baptiste, puis il y a Baptiste. Paul aussi. Paul, c'est son cousin. Et Paul, c'est qui? C'est son cousin. Paul. Hein, des fois, il vient, sauf qu'il est parti une semaine en vacances, il est revenu dimanche. Et puis, t'aimes pas quand il part en vacances. Le tracteur qu'on voit là-haut, c'est pareil, ça fait rêver un gros tracteur. Ouais. Et il va freiner, attention là, il n'a pas de frein. Non, mais attends, ils ont l'habitude, attention. Les roses trémières, on va les montrer encore et on va vous saluer. Merci de nous avoir reçus. Comment tu freines? Comment ça marche, ça? Ah oui, d'accord, clairement. Ah oui, il y a les roues dessus, ça, c'est bien foutu, ça. Tu risques pas de partir comme ça. Allez, Hervé Pan, on vous salue, merci beaucoup, à tout bientôt. Allez, on termine là-haut et au revoir. Merci. À ce soir ou à demain. Bonne soirée. Attends, bonne semaine. Merci, les hommes ou pas?